prochaine. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle box. Je suis coiffée comme rien du tout. En fait, je suis pas coiffée. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pour la Beautiful Box. Alors, c'est un grand carton. Donc, je suppose, et j'ai ouvert parce que j'étais pas sûre de ce que c'était d'ailleurs. Donc, je suppose rien du tout, je le sais. Il n'y a pas que la box du mois. Mais il y a un petit cadeau, parce que je crois que j'en suis à ma 14e, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, on a un cadeau. Je ne vous dis pas de bêtises, voilà, il y a le petit... donc, j'en suis bien à ma 14e. Et donc, on a un petit produit en cadeau, une bougie. Alors, d'après ce que je vois là, sur le coupon, c'est une bougie Baija, vous voyez. Et bizarrement, je n'ai pas de bougie Baija. J'ai une autre bougie. Oh, allez, ça va être une belle découverte parce que Baija, je connais déjà. La bougie, c'est l'Odyssée des Sens France. Ça se présente comme ça. C'est cire 100% végétale, made in France. Donc, pourquoi pas, c'est une belle, ça peut être une belle découverte. Par contre, elle me semble plus petite. Je vous montre pourquoi. Parce que j'ai la Baija et je vais vous montrer. Celle-ci est plus petite. Alors, oh, c'est mignon. Ça sent super bon, cela dit. Regardez, hop, comme ça. Elle est jolie comme tout. Et elle sent super bon. C'est quoi la senteur? Découvrez notre gamme de bougies aromatiques. Je vois pas. Ok. Je vais vous montrer la Baija, comme ça, vous allez voir la différence de taille. Voilà. Normalement, la Baija, elle est grande comme ça, et là, j'ai une petite. Donc, pour ça, dommage. Si ça avait été la même taille, je dis pas, mais là, c'est pas vraiment la même taille. Bon, je suis contente parce que ça va quand même être une petite découverte. Et en plus, je ne connais pas. Donc, l'Odyssée des Sens. Dites-moi si vous connaissez. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Je vais chercher mes lunettes également. Excusez-moi, parce que je sens que j'en avoir besoin. En plus, je suis fatiguée, j'ai mal aux yeux. Donc, je garde mes lunettes à côté. Donc, voilà, j'en suis à ma 14e. Et la 16e, il y a également un cadeau. Un produit full size, accès à notre conciergerie privée. Option premium, support dédié, réponse en 24 heures. J'appelle pas ça un cadeau. Ok, on garde de côté. Et on va commencer à ouvrir la box du mois, qui est celle du mois de novembre. Oh, ça fait penser aux vacances d'hiver, aux sports d'hiver. Donc, c'est sympa. La Beautiful Box, la Montagnard Cocooning. Ok. Bah en tout cas, le design est très sympa, très joli. Donc, j'ai hâte. Allons-y. J'ouvre. Là, donc, on a le petit explicatif que je garde à côté de moi. La carte de la bougie. Hop, que voici. Donc, cette bougie parfumée réservée aux abonnés arrivée au 14e mois de leur abonnement. Donc, ça fait 14 mois que je suis abonnée. Bravo, merci de votre fidélité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Installée à Aigues-Mortes sur les bords de mer de Méditerranée, Odyssée d'essence puise dans les influences provençales son inspiration pour la création de chacun de ses produits. Donc, voilà. Les fragrances uniques que vous retrouvez dans chacun des produits Odyssée d'essence sont élaborés à Grasse en collaboration avec leur parfumeur. Ok. Une mèche en coton et 100% cire végétale de soja. Donc, pour ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je suis contente. Ensuite, on continue avec les autres cartes. Donc, avec une routine, comme d'habitude. Puisque Beautiful Box, il y a toujours une routine. On commence par, alors, le 1, 2, voilà. Je vais faire par l'étape logique, d'après eux.
Donc on commence. Vous voyez, elle est quand même bien garnie. Je ne vous montre pas tout tout de suite, sinon vous allez tout de suite savoir ce qu'il y a. Donc je commence par le premier de la routine, c'est ça. Bain moussant relaxant, deux en un, corps et pieds. De la marque Pic et Gramme. Original comme nom. Pic et Gramme. On ne voit pas très très bien. Le logo est là. Voilà. Et donc, à l'extrait d'orchidée blanche et jus d'aloe vera bio, 100 ml. C'est assez liquide. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très liquide. Hein. À mon avis, quand on ouvre, on a intérêt à faire attention que tout ne se déverse pas. Et je sens. Ça ne sent pas énormément. Bon, et je trouve hyper liquide. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on nous dit de ce petit bain moussant? Alors, la valeur déjà, quand je vous dis, je vais vous dire la valeur. 21,90 €. Ça fait cher quand même. Hein. Peut s'utiliser sans baignoire. Ok, c'est-à-dire. Donc, découvre en exclusivité le tout nouveau bain moussant. Relaxant deux en un, corps et pieds. Après une journée passée sur les pistes de ski. Bon, je n'ai pas de piste de ski et je n'ai pas l'intention d'y aller, donc... ou à randonner dans les sentiers montagneux, offrez-vous un instant de bien-être cocooning post-montagne. Plongez dans l'eau chaude pour profiter d'un bain moussant à l'extrait d'orchidée blanche qui enveloppe votre corps d'un doux nuage parfumé. Donc apparemment, soit on l'utilise comme bain moussant, soit pour faire un bain de pied. Je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser parce que je trouve très très liquide. Après, peut-être pour le bain, pourquoi pas mettre dans le bain et puis pourquoi pas, à voir. Voilà, ok, pourquoi pas, mais je trouve quand même que c'est cher, je ne sais pas si c'est le vrai prix, je regarderai quand même, parce qu'en plus, regardez, c'est pas plein plein, hein. On dirait que ça a été utilisé, de ce côté non, mais là comme ça, oui. Et il n'y en a pas énormément, hein, donc 21,90 € pour ça, ça me semble très cher. Ok, suivant, donc deuxième de la routine, je vais piocher, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? De la marque La Crose, riche délices, un après-shampoing démêlant au pur beurre de karité des montagnes du Bénin. Hop, ok, ça fait 90 ml, pourquoi pas 100? Parce qu'ils n'ont pas voulu. Ok, que dire? Qu'est-ce qu'on nous en dit? Donc le prix, 19 € pour ce petit démêlant. C'est pareil, je trouve ça extrêmement cher. Après, s'il est efficace, why not? Donc, il faut savoir qu'on a toujours des codes promo. Par exemple, là, si je vais sur le site, j'ai moins 15% de remise. Que dire? Le tout nouvel après-shampoing démêlant Karité des montagnes signé La Crose. Restez dans votre bulle de bien-être avec ce soin riche et généreux qui chouchoute tous les types de cheveux. Ça, c'est plutôt bien. Donc, il y a quoi dedans? Du beurre de karité qui répare et assouplit la fibre capillaire et de l'huile d'amande douce aux bienfaits adoucissants et nourrissants. Bon, sur cheveux à appliquer sur cheveux humides et essorés. Appliquez une noisette de soin sur vos longueurs et pointes. Laissez poser quelques minutes avant de rincer abondamment à l'eau claire. Bon, pourquoi pas? Ça sent rien du tout. Alors, soit c'est moi qui n'ai pas d'odorat, soit je ne sais pas. Ok, bon, pourquoi pas? À voir. Ensuite, je continue avec le troisième de la routine, c'est ça. C'est pas ça, pas du tout, c'est celui-là. Alors, celui-là, il me semble que je l'ai déjà eu en cadeau en plus. C'est le sérum nuit de la marque Mira, le bruit des flocons. Et ma fille qui fait du bruit parce qu'elle est en train de goûter. Donc, il se présente comme ça. C'est sous forme de pipette. Ouais, c'est ça, sous forme de pipette.
Peut-être je ne vais pas l'ouvrir. Parce que je ne suis pas sûre de le garder. Donc je ne vais pas l'ouvrir. Je sais que voilà, c'est la marque Mira. Hop, comme ceci. À quoi il sert? Je vous dis. Alors tout ce que je ne garderai pas, vous risquez de le retrouver sur mon Vitaid. Je vous le noterai quelque part par là. Si vous voulez aller voir, j'ai plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire des lots, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des réductions sur les lots, donc n'hésitez pas. Donc ce petit produit est d'une valeur de 11,90€. Donc, découvrez en exclusivité le tout nouveau sérum nuit réconfortant hiver de MyMira. Quand l'hiver vous rappelle à ses lois, passez en mode protection avec ce soin nourrissant et réparateur. De la commissure des lèvres aux zones délicates présentes sous vos yeux, l'ensemble de votre visage est apaisé et réparé grâce à ce soin ciblé hiver aux 12 effluves de cannelle et d'orange. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est sous forme de vraiment de pipette. Ouais, ça peut être intéressant, mais je pense pas l'utiliser parce que j'ai déjà plein d'autres produits, j'ai déjà des sérums de nuit. Donc prélevez 3 à 4 gouttes de sérum dans le creux de votre main. Massez votre visage de l'intérieur vers l'extérieur pour faire pénétrer le soin. Ok. Il est composé d'huile d'arnica et de tournesol aux vertus nourrissantes et régénérantes, d'huile de jojoba aux bienfaits rééquilibrants et apaisants. Et ça fait combien de millilitres? Je ne vois pas. Peut-être y a-t-il 30 millilitres. C'est largement suffisant. Voilà. Donc, vous risquez de le retrouver sur Vinted réellement. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et pas à ce prix-là. Je vais faire des lots. Enfin, voilà. Ensuite, on continue avec le suivant qui est ceci. Un petit tube de la marque Exalta. Ok. Baume fondant zone sèche. Coudes, lèvres, talons. Donc ça peut être intéressant. Hop, c'est un petit tube comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Il paraît léger comme tout. On dirait qu'il est... Oups. On dirait qu'il est vide, mais pas du tout. Il fait combien de millilitres? 30 millilitres. C'est bien 30 millilitres. Si c'est juste pour les zones sèches, donc ça va. Baume zone sèche. D'une valeur de 17,90€ quand même. Au lys des montagnes. Alors, découvrez en exclusivité le tout nouveau baume fondant zone sèche au lys des montagnes d'Exalta. Il vous enveloppe d'un nuage de douceur grâce à sa texture onctueuse qui vient à la rescousse des zones abîmées de votre corps. Creux du coude, jambes, talons, lèvres, il profite d'un soin réparateur qui assouplit l'épiderme tout en renforçant la barrière cutanée. Alors, laissez-vous transporter par son exquis parfum de fleurs de montagne. Ok, bon, prélevez un peu de soin entre vos doigts, faire pénétrer votre baume avec de doux mouvements circulaires. Ça, je vais le garder parce que ça peut être intéressant pour l'hiver. C'est petit, ça passe partout. Parfait. Je continue avec un autre produit, le quatrième produit, non, le cinquième. Une crème pour les mains de la marque Symbiose Annecy. Hop, comme ça. 40 millilitres eau des glaciers. Donc une crème pour les mains, c'est toujours utile. Alors elle est fermée, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai plein d'autres. Donc je ne vais pas l'ouvrir de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? La valeur 11€. Que dire de plus? Découvrez encore en exclusivité la toute nouvelle crème main hydratante à l'eau des glaciers de Symbiose. En hiver, vos mains nécessitent un soin protecteur afin de lutter contre les agressions extérieures qui irritent votre épiderme. La texture douce et non grasse de votre crème opaque en aluminium, oui, il est en aluminium, recyclable, dépose sur vos mains un voile nourrissant et hydratant pour dire bye bye aux sensations de tiraillement. Composé d'eau des glaciers alpins, aux vertus hydratantes et oxygénantes, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Wow.
Massez le dessus de votre main, la paume, ainsi que vos doigts et ongles jusqu'à absorption complète. Une crème pour les mains. Alors, vous l'aurez compris. Ok, bon, bah ça, pourquoi pas. Et je finis avec un dernier produit. Hop, hop, hop. Ah, ça, j'adore aussi. C'est la brume d'oreiller de la marque Olive. Et c'est Nuit étoilée, 30 ml. Hop. Moi, je vois pas avec mes lunettes, donc... Ok, donc en mode en style spray. Ça, je vais l'utiliser parce que j'aime bien. Ça sent super bon. Pillow Mist Starry Night. Ok, ça fait combien? 30 ml. Ouais, ça sent super bon pour l'oreiller, ça va être super. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, valeur 8 euros. Je ne sais pas si on voit pas mieux comme ça. Découvrons en exclusivité à nouveau la toute nouvelle brume d'oreiller apaisant nuit étoilée d'Olive. Laissez-vous emporter dans les bras de Morphée grâce à quelques vaporisations de cette brume qui invite au lâcher prise et aide à l'endormissement. Une bonne nuit de sommeil réparateur favorise la régénération cutanée pour une peau éclatante au réveil. Donc composé d'hydrolat de fleurs d'oranger, c'est pour ça que j'aime bien, ça sent super bon, qui calme le système nerveux. Parfait. Et d'hydrolat de pin sylvestre qui régénère le corps et l'esprit. Donc ça, j'aime bien. 3 à 4 pulvérisations sur votre oreiller. Allongez-vous et relaxez-vous pour vous endormir. Bonne nuit. Et bien que dire, oui, vu que je suis fatiguée, ça va être nickel. Et bien ouais, ça, je suis super contente. Ça sent super bon. Alors, que dire de cette box? Et bien, je suis contente à peu près pour tout. Sauf peut-être pour ça, que je trouve quand même hyper cher, mais je pense que mes filles vont me le prendre pour faire un bain moussant. Elles ont temps de se relaxer, donc peut-être qu'elles vont me le prendre. Ou pour moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si vous allez retrouver quelque chose finalement sur mon Vinted cette fois-ci, mais je vous laisse quand même, on ne sait jamais. En tout cas, cette box est plutôt pas mal, plutôt sympa. Une valeur totale de, pour cette box, ils ne me l'ont pas mise, de 90 euros. Ok, pour 6 produits, je suis plutôt contente. En plus, j'ai ma petite bougie en cadeau, donc contente. Je suis contente. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous également, vous avez eu cette petite bougie en cadeau pour votre 14e box, si vous l'avez déjà eu. Et si vous avez aimé les produits, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À me mettre des commentaires si vous avez envie. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci de m'avoir écouté. Et sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les loulous.